Le capitaine élu indomptable Vincent Aboubakar aurait perdu sa femme quelques jours après sa signature au club Beşiktaş. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour les Camerounais, car le malheur aurait survenu à leur porte, plus précisément à celui d'Aboubakar Vincent. Restez scotchés sur cette vidéo. Tout d'abord, nous allons parler de ce transfert de Vincent Aboubakar qui, pour beaucoup, n'est pas trop sensé. Les liens qui existent entre Aboubakar Vincent et le club Beşiktaş est très grand. Aboubakar Vincent n'a pas pris assez de temps pour être sur le feu des projecteurs après l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr. Il a du coup préféré retourner à Beşiktaş où il avait auparavant évolué en deux différentes époques de sa carrière. Par ailleurs, son achat a beaucoup fait parler les médias car pour eux le cachet est tellement minime pour un joueur de son envergure. 3 millions d'euros par an comme salaire et un transfert à 10 millions d'euros seulement. Pour eux, c'est de l'arnaque. Vincent Aboubakar en vaut mieux. Lors d'une conférence de presse mardi dernier à Istanbul, le lion indomptable a expliqué les raisons de ce choix. Pour lui, choisir le club autre que Beşiktaş devait paraître comme une trahison pour ce club, qui est comme pour lui une famille. C'est un plaisir pour moi de retourner à Beşiktaş. C'est ma famille. Je connais la ville et le club. Je suis prêt à y revenir et à faire revivre le bonheur que j'ai eu dans le passé et à contribuer à l'équipe, a-t-il déclaré. Il a ajouté par la suite, Fenerbahçe a parlé à mon manager. Je ne quitterai pas Beşiktaş pour aller dans une autre équipe en Turquie. Ce serait une trahison. Je ressens des choses importantes contre Beşiktaş. Cet endroit est très important pour moi. Je respecte aussi les autres équipes. Je ne joue qu'à Beşiktaş en Turquie. Ainsi a-t-il conclu. Nous comprenons donc que sa décision de jouer pour la Turquie est plus personnelle que professionnelle. Et cela est un peu très désolant pour un joueur. En même temps, c'est son choix. Nous le respectons. Nous ne savons pas si Vincent Aboubakar met ses valises en Turquie avec sa famille, car il ne laisse presque jamais rien savoir d'eux. Vivront-ils au Cameroun et lui en Istanbul ou bien déménageront-ils à Istanbul ensemble? Il n'y a que le bon Dieu pour savoir ceci, car Vincent Aboubakar ne nous dira jamais rien. C'est même à peine si l'on a le visage de sa femme en tête. Juste un cliché qu'il avait posté en 2020 lors de la naissance de leur dernier enfant. Après ça, nous n'avons plus rien eu comme information sur la famille de Vincent Aboubakar. Tout de même, nous espérons qu'ils vont bien et nous lui souhaitons du meilleur dans sa carrière. Nous préférons ne pas croire ces histoires associées à sa signature, car ce sont des faits récurrents. Quand un joueur subit un transfert, et vous devez en faire pour autant.